Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez passer votre écran d'ordinateur en 60 Hz. En effet, votre écran d'ordinateur a un taux de rafraîchissement ou une fréquence d'actualisation, et en adaptant ce paramètre, vous allez pouvoir avoir un écran qui aura des mouvements plus ou moins fluides. Pour pouvoir modifier ce paramètre, vous allez sur les paramètres d'affichage de votre ordinateur en allant dans la barre de recherche et en tapant affichage, puis en ouvrant les paramètres d'écran, paramètres système juste ici. Dans la page qui vient de s'ouvrir, vous allez tout en bas de l'écran, dans paramètres avancés de l'écran, et c'est donc ici que vous allez pouvoir choisir une fréquence d'actualisation, par exemple 144 Hz ou 60 Hz. Attention, comme c'est noté juste ici, un taux supérieur fournit un mouvement plus fluide mais également nécessite davantage de puissance et donc de batterie. Donc en passant sur un 60 Hz, eh bien vous allez avoir un mouvement qui sera moins fluide mais votre écran nécessitera moins de puissance et donc vous permettra d'économiser la batterie de votre ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.